Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minutes au sommaire. Comment mettre à profit les outils journalistiques pour mettre en avant la destination Côte d'Ivoire Une problématique à laquelle une trentaine de journalistes ont été formés à l'occasion d'un séminaire. Après des années de fermeture, la piscine municipale de Cocody rouvre ses portes. Une piscine qui, grâce à une série de travaux, fera le bonheur de plus d'un nageur. Et en fin d'édition, retour sur l'adoption de la nouvelle constitution au Togo. Le pays passe ainsi d'un régime électoral à parlementaire. Plus de détails dans ce journal. Une trentaine de journalistes et hommes de médias ont pris part ce lundi 25 mars à un séminaire de renforcement de capacité. Le thème de cette activité initiée par la direction de la communication et de la documentation est Renforcer la narration touristique et ludique stratégie médiatique pour valoriser la destination Côte d'Ivoire. Il avait pour but de renforcer la communication touristique et les liens de collaboration entre les acteurs du secteur et les médias pour une promotion dynamique et cohérente de l'offre touristique. Au sortir de cette canne et avec la, la victoire des éléphants et avec cette très belle fête qui positionne le pays euh, au niveau de l'échiquier international, il nous appartient de comprendre que euh, rien ne doit être comme avant, plus rien ne doit être comme... Être comme avant. Et cela suppose que désormais, nous devons faire les choses avec beaucoup de professionnalisme, avec la formation de tout ce que nous avons comme professionnels. Et cela va sans dire que les prescripteurs de destination, que sont les journalistes, doivent être formés, doivent être écoutés, doivent, être, doivent avoir un lexique approprié pour pouvoir positionner le pays parce que ce les journalistes sont le quatrième pouvoir. Nous avons besoin de les accompagner, de les encadrer pour que notre pays soit, être, soit vendu à, à l'échiquier au niveau international. L'occasion de ce séminaire est donnée pour que les professionnels du tourisme et des loisirs et les journalistes chargés de couvrir donc euh, ces destinations-là puissent se rapprocher et s'accorder ou servir la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de ça servir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, mais servir la Côte d'Ivoire aussi à tous ceux qui sont très loin de la Côte d'Ivoire et qui ont besoin de se rapprocher de la Côte d'Ivoire ou mieux l'avant Au cours de cette journée, les participants ont eu l'occasion d'explorer en profondeur les différents aspects de la narration touristique, depuis la présentation des sites emblématiques de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'utilisation des nouvelles technologies pour la promotion touristique. Nous avons cette stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire. C'est une stratégie qui est bien plus qu'une feuille de route et au sein de la Laquelle, euh, les médias tiennent une place fondamentale. Euh, nous devons nous appuyer sur les médias pour justement pouvoir accélérer, amplifier toute la promotion touristique et ludique de notre pays. Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été faites et euh, il convient de pouvoir justement présenter aux Ivoiriens et présenter également au monde que la Côte d'Ivoire est désormais prête. Je pense qu'avec la canne, beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais que la Côte d'Ivoire est désormais prête à accueillir davantage de touristes et leur présenter également l'étendue de nos savoir-faire. À l'issue de ces travaux, les participants ont pu améliorer leur niveau de compréhension et de compte-rendu pour les données à caractère touristique et ludique. À noter que le ministère pourrait également bénéficier d'un partenariat dynamique avec les hommes et les femmes des médias qui désormais vont se liguer pour la promotion du tourisme et des loisirs ivoiriens. Après des travaux de rénovation et de réhabilitation à hauteur d'environ 80 millions, la piscine municipale de la commune de Cocody est désormais fonctionnelle. Une étape importante attendue avec impatience par la communauté, symbolisant à la fois le renouveau et l'engagement envers le bien-être des citoyens. La cérémonie d'inauguration présidée par le maire lui-même a été un événement festif. Marquée par la présence de nombreux résidents, représentants municipaux et partenaires, des discours inspirants ont souligné l'importance de cet espace pour la santé physique et mentale de la communauté, ainsi que l'engagement continu de la municipalité envers le bien-être de ses citoyens. Leur piscine municipale est ouverte. Non seulement elle est mais elle est ouverte avec une condition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons refait toute la piscine et nous avons mis la piscine aux normes olympique. Au donc, vous n'avez plus une piscine qui était à 3 mètres et et c'est-à-dire que les gens devaient se noyer où il y avait des dégâts. Aujourd'hui, vous avez une piscine olympique avec tous les critères. Donc, on demande à tout, non seulement de prendre soin, mais ce joyeux que nous avons remis à notre disposition, et nos enfants aussi d'apprendre en même temps à Donc, je pense qu'il y a des cours avec plusieurs mètres et qui vont donner des cours à les enfants et même aux grandes personnes pour pouvoir se familiariser avec. Donc euh, la réouverture est faite. Je vous appelle tous les citoyens, les administrés de Cocody à pouvoir s'y se servir. Ouais. La piscine municipale de Cocody a toujours été un lieu central pour les habitants, offrant un espace de loisirs, de détente et de santé. La réouverture de la piscine municipale de Cocody ne se limite pas à un simple événement. Elle a un impact profond sur la qualité de vie des résidents, offrant un lieu de rencontres intergénérationnelles de pratiques sportives et de développement personnel. De plus, elle renforce le sentiment d'appartenance à la communauté et contribue à promouvoir un mode de vie sain. Pour, 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 c'est fait au Togo, le président de la République sera désormais choisi par le Parlement réuni en congrès et cela sans débat. Cette révision vise à adopter un nouveau régime politique plus représentatif, à transformer le système politique et à apporter un nouvel élan dans la gestion de la chose publique. Son avantage réside dans la plénitude des pouvoirs qu'elle confère. Il faut dire que jusque-là, le chef de l'État était élu au suffrage direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le régime parlementaire, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il participe vraiment le dynamisme euh, euh, au niveau du fonctionnement des institutions de la République. Donc, il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs du chef de l'État et des pouvoirs du président du Conseil des ministres qui devient premier ministre. Et euh, dorénavant, vous gagnez. Le Parlement vous dirige. Adopté à l'unanimité avec une voix contre et une abstention, en 2018, cette dernière avait boycotté les législatives, ne lui permettant pas d'accéder à l'hémicycle. Six mois après le début de la guerre, Israël a masse une première demande de cesser le feu. Alors qu'à l'international chacun y va de son commentaire et de sa position sur le conflit opposant Israël au Hamas, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté sa première résolution en faveur d'un cessez-le-feu. L'instance avait pour rappel, depuis le début du conflit en octobre dernier, adopté deux résolutions sur l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, une demande qui intervient en plein mois sacré de Ramadan et qui, pour le Conseil de sécurité, doit permettre aux fidèles de Respecter ce pilier de l'islam et qui devrait à terme permettre d'instaurer une paix durable. C'est la fin de cette édition du 7 Minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.